Si tu perds trop de temps sur ton téléphone, cette vidéo est faite pour toi. Mon perso, je passe 2 heures en moyenne par jour sur mon téléphone et je trouve déjà que c'est trop. Mais j'ai l'impression que par rapport aux gens, en fait, j'en passe très peu. Du coup, c'est pourquoi aujourd'hui, je me permets de te filer quelques conseils pour réduire ton temps d'écran. Première chose, pas de téléphone aux toilettes. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une habitude qui est bien ancrée en nous tous, mais si tu prends pas ton téléphone aux toilettes, tu vas te rendre compte que tu vas commencer comme sous la douche à avoir des idées de folie. Et puis, ça t'évitera de passer 30 minutes, voire 1 heure aux toilettes pour rien. Deuxième chose, c'est que j'ai totalement réorganisé mon téléphone. Comme tu le vois, la première page, c'est juste mon Google Agenda. En gros, avec les trucs que j'ai à faire. Et pour accéder aux applications, il faut que j'aille de ce côté. Et encore, il n'y a quasiment aucune appli sur l'écran d'accueil. Donc comme ça, quand j'ouvre mon tel, j'ai pas tout de suite les réseaux sociaux qui se mettent à moi et j'ai pas tout de suite la tentation d'y aller. Dernière chose, c'est que je m'autorise à regarder mon téléphone seulement 1 heure après le réveil. Comme ça, ça permet de bien commencer sa journée et pas de tout de suite être dans son lit avec son téléphone et de perdre encore une demi-heure, 1 heure de journée et de temps d'écran en plus. Tu peux liker et t'abonner parce que...